les problèmes techniques, la pluie, mon anniversaire. Que de conditions, franchement, pour faire son part de prono en retard, moi je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeuses de la famille, c'est Thomas. On parle prono de la J36 avec le top 5 de la J35. Donc, les petits amis, on va voir ça sans plus attendre avec les résultats, évidemment. Et il y a eu pas beaucoup de bonnes réponses, hein. Enfin, pas beaucoup de scores ultra hauts, évidemment. Il y a eu des trucs à trouver qui étaient vraiment invraisemblables. Donc, les résultats avec le victoire de Nantes, Saint-Etienne, Angers et Nîmes. 4 victoires seulement, match nul entre Guingamp et le Stade Malherbe de Caen, entre Amiens et Montpellier, entre PSG et Nice, entre le LOSC et Lyon, entre Rennes et Toulouse, entre Strasbourg et Amiens, c'était chaud, enfin un record de match nul, 6 les amis. Alors pour ma part, j'ai fait franchement de l'arcla fini, avec donc une seule bonne réponse, hein. C'est bien, c'est nul, c'est bidon. Donc ça me fait 41,6, donc franchement ça va être tendu pour arriver à 50% d'ici la fin de la saison, mais on verra, rien n'est impossible. Allez c'est parti, avec le top 5 de Parle Prono évidemment, je vous rappelle que le grand gagnant aura un beau cadeau à la fin, incroyable, franchement. Allez le top 3 d'abord évidemment, avec donc Louis Dupuis, deuxième coupe, bravo à toi, 60%, c'est le score le plus haut, vous imaginez quand même, normalement on est à 80% de moyenne dans les top 5, là c'est vraiment bas. Noah, Gomet, petit nouveau, 50%, bravo à toi. Fatal, Yoko, petit nouveau aussi, bravo à toi, avec 50%. L'autre, Mohamed Chérif. Alors, Mohamed Chérif, franchement, lui, il est à 5 coupes. Je crois qu'il est à égalité avec... Il y a Hugo Hayek à 4 coupes aussi. Il y a Black Galsen HD qui a 4 coupes. Enfin, en tout cas, il y a Alex Wargame aussi. Il y a un combat rude entre vous, les amis. Encore une fois, ceux qui sont à égalité dans les top 5, évidemment, c'est un tirage au sort. Donc, Mohamed Chérif a eu de la chance. Évidemment. Et Lucien Brouillet, première apparition, habitué aussi au top 5 sur Instagram, que je mettrai évidemment pour les autres journées aussi, ceux qui jouent l'Europa League. C'est parti les petits amis, donc bravo à vous 5. Allez, on commence tout de suite avec le premier match, évidemment ce sera en live, commenté sur la chaîne ce soir à 20h15 pour l'avant-match avec ce Saint-Etienne, Montpellier. Montpellier qui a fait un mauvais match nul contre Amiens, qui pouvait peut-être prétendre à une quatrième place. Saint-Etienne donc à un point de Lyon, pratiquement imbattable à domicile. Donc franchement, mon avis, les hommes de Gasset sont en forme. Donc je mets une victoire de Saint-Etienne avec une belle cote de 1,75. Franchement, ça va être un gros match en tout cas. Il y aura, à mon avis, je sais pas, du Netflix peut-être en tout cas. Les équipes vont se lâcher parce que Montpellier joue. Allez, ils ont une petite infime chance. Mais donc victoire de Saint-Etienne avec 1,75 de cote. Évidemment, on se base sur les cotes de Parion Sport en ligne. Hein. Vous avez évidemment 100€ offerts en cash, les petits amis. Allez, avec donc le match 2. Match 2, donc match intéressant, Angers-Paris, comme dit Roland Courbis, Paris, Rennes et Strasbourg sont en train de fausser le championnat. Donc Paris, évidemment, ne joue plus rien avec Neymar, donc qui est suspendu à la rentrée avec son coup de poing débile. Là. Enfin, je parle de supporter aussi qui est débile. 4-45 à match nul, j'imagine que Mbappé non plus ne sera pas là parce qu'il est suspendu aussi. Angers, ils sont en pleine forme, ils visent un top 10, donc je pense 4-45, encore une fois, match nul du côté du Dusko. Je pense que ce sera un match fermé, mais je vois pas Paris gagner en tout cas, les petits amis. Allez, on part du match 3, les amis, avec évidemment le multiplex qui aura lieu sur Bainsport et Tutti Quanti, Bainsport Max 6, hein, en l'occurrence. On se souvient que vraiment c'est super simple, vendredi soir, c'est Canal Plus Sport, le samedi après-midi, c'est... Canal Plus à 5h et le soir c'est Bein Sport. Donc Dijon, Strasbourg. À Strasbourg pareil, hein, je vais pas refaire l'invitation un petit peu ripou, mais ils jouent plus rien, ils font que des matchs nuls depuis la victoire en Coupe de la Ligue. Et Dijon à 26 points, à 28 points pardon, à 2 points donc de Caen, doit vraiment faire un gros résultat. Donc je pense que Dijon va gagner chez eux. Je sais comme ça. Hein, Camboire va réussir à faire un coup en tout cas. Je vais à 3 points pour Dijon avec une cote de 2. Le match 4, évidemment, on continue avec ce multiplex avec donc le match entre Nîmes et Monaco. Derby. Monaco, ils se tapent 2 fois des équipes du Sud. Ils ont 33 points. Ils peuvent se faire dépasser hein, le résultat de Caen et selon leur résultat. Je vois victoire de Monaco à l'extérieur, au Costières. Nîmes ne joue plus rien. Nîmes a foutu une pile contre Reims. Nîmes met des piles à tout le monde. Hein. Nîmes aussi est dans le top 10 et veut y rester évidemment pour un promu. Donc je vois victoire de 2 pour les hommes de Jardim qui vont se relancer à mon avis. Le match 5, c'est parti. On continue dans ce multiplex avec Nice-Nantes. Alors Nantes, 5 victoires consécutives. Ils n'en peuvent plus. Nice, compliqué. Ils font des petites victoires
ou des petites défaites, mais c'est cramé pour eux pour l'Europa League. Donc je vois un match fermé avec une cote de 3,15 à la Lance Rivera. Voilà, tranquillement, un samedi soir sous la pluie, les petits amis. Donc voilà, le match 6, c'est parti, on y va avec donc un match aussi, mine de rien, important pour le maintien. Reims ne joue plus rien. Reims commence petit à petit à plonger aussi parce que tranquillement ils sont maintenus. Et là, il y a une petite phase de décompression. Les joueurs qui sont attirés par pas mal de clubs. On parle de Houdin aussi du côté de Marseille. Bref, quand Reims, Courbis, Adonf, il mitraille à tout va. Je pense que Reims va tomber à Malherbe. Et donc, sur ce match, Caen peut pratiquement se maintenir avec une cote de 2,45. Il y a l'argent à se faire. Ouais, avec un but de Crivelli, pourquoi pas. Un petit score, hein, les amis. Un petit score, évidemment. Le match 7, on continue, les amis, avec le dernier match du multiplex. Avec un Amiens-Toulouse. Alors, match pour le maintien, même si ces deux équipes n'ont rien à craindre globalement. Je vois une victoire d'Amiens, quand même, à la licorne, pour fêter un peu cette belle saison, mine de rien. Toulouse qui a fait un bon match nul contre les Rennais. Donc, je vois un match assez ouvert, mais avec Amiens qui remporte un match devant son public pour fêter un petit peu la belle saison correcte, quand même, des hommes de Pélissier. On passe au dimanche avec le match 8. Un derby de la peur pour Guingamp. Alors Rennes, pareil, hein, ils ne jouent plus rien, ils font des nuls, oui, ils font des défaites depuis leur belle victoire en Coupe de France. Guingamp, c'est leur dernière chance vraiment de penser à se maintenir avec 24 points, ils sont derniers, pire et attaque et pire défense du championnat de France. Je vois quand même les Rennais malheureusement enfoncer leur voisin Guingampais avec une cote de 1,95, il y a de l'argent à se faire. Et Guingamp, je pense que sera condamné, de toute façon mathématiquement ce sera mort pour eux. Donc victoire des Rennais au Roazhon Park dans une belle fête aussi, sous la pluie visiblement, comme je regarde dans ma fenêtre. Le match 9, les amis, avec donc match important pour Lille qui peut définitivement asseoir sa deuxième place. Bordeaux, 38 points. Avec la signature de Mécher, qui était libre, évidemment, avec une prime à signature, je pense, pour 4 ans, l'ancien Rennais, avec cette tête, boum, en Coupe de France. Donc, bon renfort, en tout cas, pour l'année prochaine. Mais je vois Bordeaux faire des essais de joueurs tranquillement, et donc Lille s'imposer, pareil, une finale pour la deuxième place, presque, à Pierre-Mauroy. Donc, 1,38 pour les Lillois, avec du spectacle, petit ami. Match 10, match ultra important entre Marseille et Lyon. Marseille a un infime espoir, mais selon mes résultats que Saint-Etienne a gagné dans mes pronos, donc n'a plus d'espoir, on va dire, pour l'Europe, du moins l'Europa League. Lyon, donc, si vous suivez mon regard, est quatrième à l'heure du prono. Donc je pense que ce sera un match fermé dans la tension. Donc à mon avis, je pense qu'il y aura match nul avec un scénario complètement dingue, avec des faits de jeu, des varioles à tout va. Donc 3,70 et l'argent à se faire. Donc Lyon ne sera pas évidemment sur le podium, d'après mes pronostics, à la fin de ce week-end. Mais c'est pas fini en tout cas. Voilà les petits amis, pour ces pronostics, évidemment, vous prenez tous mes pronos dans les commentaires, vous mettez les vôtres, vous effacez les miens, vous mettez les vôtres, et vous avez jusqu'à demain, 16h, 16h30, tranquillement, pour voter, parce que ce soir, c'est gratuit. Alors, Montpellier, Saint-Etienne, c'était Montpellier, vous vous plantez, tout le monde a bon en tout cas. Allez, n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Parents Sport en ligne, dans le lien tracking, si vous voulez faire ces cotes-là et gagner un petit peu d'argent. Vous avez donc de l'argent remboursé si votre pari est perdu, les amis, si vous êtes majeur, pas la carte des parents, évidemment. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo quand un pote de votre équipe vous fait une bonne passe. Merci, t'es un génie mec. Ou à partager sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis évidemment à ce soir, 20h15. Et je vous souhaite une bonne après-midi, ou je sais pas ce que vous foutez. On s'en fout. Allez, salut. On approche de la fin. J36, c'est chaud bouillant.